Hey, bonjour à tous et bienvenue dans Pizza Turtle en compagnie de Monsieur Epiforce. Wouhou! Bonjour à tous et bienvenue. Bon, alors je vais faire déjà un petit dodo, histoire de. Je me suis reconnecté sur ce serveur ce matin et j'ai eu. Parce que je l'ai tweeté en même temps, hein, donc nous sommes samedi, donc un bon week-end. Et disons que j'ai eu énormément d'Undermen dans le coin. Déjà qu'ils m'ont tout déforesté, hein, mais déforesté, non, ce n'est pas le mot, mais plutôt saccager le terrain. Faut dire ce qui est, parce que j'ai des trous de d'Underman partout. Alors pourquoi il y en a eu autant? C'est déjà il y en a eu plus de 800 qui sont partis dans les airs. Bon, ça va, il l'a plus d'un coup, donc ils se sont tous barrés. Tous barrés, oui, c'est ça, voilà. Et bah j'ai de la bouse partout, des trous partout. Bon, en même temps, c'est pas plus mal parce que je vais faire un petit terraforming, je vais faire un des allées, ainsi de suite. Je vais enlever ça, je vais le mettre ailleurs, le portail aussi. Et mais d'abord je baille, hein. C'est chiant ça. Mais bon, ça je vais peut-être le laisser. Oh, il y a des trous partout, mais t'es sérieux. Oh les Undermen, qu'est-ce que vous êtes chiants des fois, c'est dingue. Et puis il m'avait fait des commandes en. Dans l'enclos à vaches, elle m'avait posé des cubes de bouse. D'accord, bah déjà ici, tiens, en parlant de ça. M'en ont vraiment posé partout. C'est plutôt chiant d'ailleurs. Ici, il n'y a plus d'underperle, normal. Ouais, j'ai encore accès, donc c'est bon. C'est pour production de fertiliseur. Con, hein. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Ils m'ont vraiment saccagé le terrain, ces enfoirés, hein. Ah la vache. Mais bon, pas grave. Bah si, c'est grave, mais différemment. Bon, alors, pourquoi j'ai eu ce problème d'Underman? C'est principalement dû à une mauvaise installation du réseau, parce que je l'avais mis en tant que réseau principal pour les machines et autres, sauf que j'avais pas fait tout de suite le rapprochement de la machine Underman que j'avais fait. Ici. Sous ceci, il y a des générateurs à Underpearl, et puis le surplus va dans les Underchests. Sauf que, en allant ici, ce matin, j'ai découvert que j'avais plus d'énergie du tout. Forcément, si j'ai pas d'Underman, de paire d'Underman qui se prennent dans le circuit, je n'ai pas un flux continu d'Underpearl dans des générateurs. Donc maintenant, les générateurs, je les ai stockés en dessous, avec des exports basiques, hein, parce que j'ai pas envie de payer trop plus très cher. C'est principalement pour ça. Et du coup, là, pendant 24 heures, ils tournent, ils produisent 80 par tick. Comparé au simple générateur que j'avais au début au charcoal qui était de 5, c'était pas suffisant pour les machines, surtout pour les machines. Donc du coup j'ai mis des under générateurs. Déjà ça, puis j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 x 8, 56. Ça fait 560 RF par tick, c'est quand même plutôt bien. Et d'ailleurs on peut le vérifier par nous-mêmes. Hop, les torches, j'en ai un peu rien à foutre, je tape aussi, voilà. Le multimètre, hop, saturation 100%, 100% de saturation dans le réseau. Bon. Allez, bon, ok. Saturation réseau 100%, d'accord. Et pourquoi je suis à 100% d'ailleurs? Ils me disent que j'ai zéro, ok, mais en fait, tu veux dire que je suis à saturation. What? Ouais, bon, en fait, voilà, hein, je délivre 200
216 RF. Parce que je suis en saturation à partir d'un certain moment. Là, je suis en saturation, ici aussi. Et dès que là, je le divise, je n'ai plus de saturation. Ok. C'est... Ça dit 10 000 RF et je suis en saturation. Donc ça voudrait dire que je produis nettement plus que 10 000 RF. C'est faisable. C'est franchement faisable d'ailleurs en parlant de ça. Donc voilà. Aussi, par ailleurs, j'ai agrandi ma baraque. Ouais, je l'ai agrandi. Donc ici, toujours le truc à... comment? À blaze. Donc les blazes, c'est plutôt pas mal puisque ça me produit quelques bâtons. Donc c'est plutôt bien. Mon réseau que j'ai continué. La MFE. Que j'ai fait une MFE, c'est pour mon armure au cas où si elle est vide. J'ai dû refaire le casque parce que la... Comment? J'étais dans la toile de forest en train de buter l'orgast et il s'avère que j'ai... Comment? Qu'il y a une machine là-bas qui m'a bouffé mon casque. Donc je ne sais pas comment c'est dû ou c'est quoi. Il me l'a bouffé. M'en fous. J'en ai marre de bailler. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ici, j'ai mis une poubelle, c'est pour les trophées et les Stone Ward plus Limestone de... comment? Des Wither Squelettes quand je me mets à AFK là-bas, ça me fait de l'XP. J'ai continué mon réseau ici, pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire Greg Tech officiellement. Officiellement Greg Tech, parce qu'il me faut de l'énergie, il me faut du style. Et le style, j'en ai pas beaucoup. Et n'allez pas me dire dans les commentaires, mais t'as pas de style, c'est normal. Voilà. Ah oui, je suis con. Ah oui, alors là, je suis vraiment con. Mais con de chez con. Ah ouais, je suis... Alors là, je suis con de chez con de chez con. J'ai coupé la zone d'alimentation ici, le câble. Mais comment je fais pour recharger la MFE si je coupe l'alimentation? Eux, du coup, ils produisent plus. Donc forcément, j'ai pas d'arrivée de courant. Et j'avais oublié de maintenir l'MV off. Ok. Donc là, ça veut dire que dès que j'ai... c'est combien? C'est 60 000, voilà. Dès que j'ai 60 000, je le déclenche. Comme ça, il produit. Ou j'attends plus de 60 000, je vais le remplir à 40 millions. 4 millions, je crois. C'est combien un MFE en fait? Ça sort du 512, mais c'est 4 millions. Bon, bah c'est cool. Ici, c'est pour ma redstone. Donc, je vais mettre un autre under generator. Je les ai fait en craft auto hein, maintenant. Hein, parce que YOLO en fait. D'ailleurs, je devrais remettre la fabrique d'Enderman là-bas quand même. Je vais prendre de la brique, tiens. De la brique, voilà. Parce que ils m'ont fait un sacré ravage les Enderman ici, c'est dingue. Je vais pas remettre de la terre parce que j'ai pas envie que ça recommence, malgré que. Je pense que la quantité d'Underman que je vais produire, je vais pas en manquer. J'en mets pas au-dessus parce qu'ils vont pas spawner. Voilà, je fais ça. Putain, c'est quand même des enfoirés les Underman. Il vous pique les blocs et vous les replace là qu'il faut pas. Ah bon, c'est pas grave. Hop. Toc, toc, toc. Quoi déjà? Ah oui. Bon, ils ont peut-être voulu m'aider parce que je vais faire du terraforming, mais... Ok, c'est moche, hein. Je l'admets que c'est vraiment moche. C'est juste pour combler les trous et être tranquille un peu. Non. Ouais, ils m'ont vraiment fait des trous partout. Quelle bande d'abrutis, je vous jure.
D'accord, j'ai un énorme bug. Que je me relogue, c'est pas grave, hein. J'ai les problèmes de. Comment de. De Minecraft. Ok, ça charge. Ok, ça c'est full. Faudrait que je vide les tanks. Ça spawn toujours autant. Putain, il la retransforme. Il la. Oh putain. Ouais, bah, je ferai ça plus tard. Putain, ils m'ont mis des culs partout. Les Undermen. Putain, ils m'ont dégommé le terrain. Avant, il y avait que de la pierre ici. Ouais, j'avais bien aplati ici. Saleté d'Underman. Bon, voilà, hein. Puis avec des grinders, bah, j'ai de la gunpowder. Donc, On récupère tout ça. Oh, ils vont dégommer le terrain, les enfoirés. Puis là, on va pas dire c'est les bugs de génération, hein, non, c'est les Undermen qui s'amusent. C'est tout. Ouais, fuck. Bon, allez, remettons ceci en route. Oui, forcément, j'ai plus de perles. Fluiduck. C'est de l'énergie qui me manque, hein. Non, c'est de l'essence. C'est de l'essence. Faudrait que je place d'autres grinders en fait. Ah, crevez tous. Ouais, je vais foutre d'autres grinders parce que j'ai pas très envie que ça refasse la même chose. Ici, c'est censé spawner, non? Bon, tant pis. Du coup, je vais faire d'autres grinders. En refaire deux, tiens. Ça peut être pas mal. Grinder, c'est une zone, une Gold Sword, Plastic Sheep. Oui, je sais. Quoi, il... Plastique! Le plastique se fait. Ok. Plastique bar. Qui se fait. Ah, d'accord. C'est des raw plastique avec du sable. Il faut refaire cuire du rubber. Attendez, je le fais cuire où par contre le rubber? Ça peut prendre du temps. Ah oui, ça peut prendre vraiment de temps en fait. Pouf, elle fout ici. Ça c'est pour les petits crafts ridicules que j'ai pas très envie qu'on fasse. Du coup. Boum, hop, 1024, rien à foutre! Rien à foutre! Pourquoi j'ai deux rubis? Ah, j'ai du biomop. Oh, biomoplatine! Oh! Hop, c'est transformé en Gregtech. Elle aussi, voilà. Comme ça, j'ai deux rubis. Tu me le sors, mon rubber bar? Allez. Ok, zéro d'énergie. Ok. What? J'ai plus de... Ah bah oui, charcoal. Ah oui, forcément, le charcoal, j'en ai besoin. Et charcoal, c'est où qu'on le produit? Bah c'est ici. Ah bah c'est normal.
Ok, bon, bah, je comprends mieux maintenant. Pourquoi il me dit, mais what? Il dit, what? Ici, vous en êtes où? Ah, 300 000, ok. Ok. Voilà, comme ça, il y a du charcoal qui reproduit, il y a le four qui se ralimente normalement. Oui, voilà. Voilà, je lui demande de faire du rubber quand même par-dessus. Bon, ok. Ouais, vous voyez. Donc, dès qu'il n'y a plus d'alimentation nulle part, il n'y a plus de production de charcoal, donc du coup, plus d'énergie industrielle, plus d'énergie en RF. En fait, c'est la merde. Si celui-là, il est éteint, j'ai la merde. Je vais faire plus tard en mode plutôt nos caméras un générateur de secours au cas où que si lui il a plus d'énergie dont lui a plus d'Underpearl par exemple lui donc une porte et avec tout ça s'il a plus d'énergie pouf il balance le générateur de secours. Et je pense que je vais faire ça. J'ai fait un Nether Star Generator hein, parce que YOLO. Hein. Ça me permet justement avec une Nether Star fabriquer de l'énergie en très 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 grosse quantité. Voilà. Forcément, j'ai chargé le chunk. On ferait ça plus tard, ok. Mes feux qui est cool, qui est fun. Ça va, ils sont pas morts. Grinder. Ah, il est toujours pas fait le grinder. Ah bah oui, forcément, il faut du plastic chip. plastique. Ok. Alors, c'est du gros plastique. J'ai le plastique. Ok, oui, il est pas mis en craft auto. Et ouais, c'est ça, il faut le faire cuire. Donc, il est en train de se faire lentement, mais il se fait. Du coup, faut que lui dise que ça fait. Ouais, bah oui, c'est ça que je veux. Ah, c'est oui, c'est vrai, c'est dans l'induction smelter. Du coup, il me faut de la sande. Alors, pour programmer ce genre de choses, de la sandstone, waouh, c'est cool. On avait dit combien? Ah, on fait recuire. Oui, bah oui, mais je suis con. Ah, on peut le faire cuire. Ok, on peut refaire cuire du plastique. Ok, donc du coup, alors ça veut dire que je fasse ça. Bon, il me dit que ça en fait 4, mais moi je veux pas qu'il en fasse 4. Je veux qu'il en cuise 1 pour me dire que ça fait ça. Je vais récupérer le plastic bar. Je vais faire comme ça, voilà. Là, il me dit que une roue plastique, une fois refondue, ça fait du plastique bar. Ouais, c'est ça. Attends. Une raw rubber, ça fait ça. Le rubber, tu le refais cuire. Attendez, j'ai complètement merdé. Je refais ça, ok, mais pas faire ça. Je dois cuire du rubber. Et le rubber, c'est le rubber là. Le raw rubber. Ouais, bah c'est ça. Ça fait ça, et une fois que je fais ça. Le craft en rubber bar et il me faut une raw plastique. What?
Je comprends plus rien là. Franchement, je ne comprends plus rien. C'est moi qui est fatigué, sans doute, mais... Nro fait du rubber bar. Nro Ruber fait du rubber bar. Ici, Nro Ruber fait une rubber bar. Ah, ok, ça va. C'est moi qui étais complètement à l'ouest. Du coup, une rubber bar fait une rubber plastique. Une rubber bar... Ah oui, non, bah non, mais je suis con, non, c'est pas ça. Bah si, c'est ça, je le refais cuire. En fait, si je comprends bien, oui, c'est ça, je refais cuire du rubber, ça fait ça, mais pour faire ce rubber-là, faut que je le fasse cuire. Donc du coup, c'est seulement après, au niveau du craft... Il faut que je le refasse cuire. En fait, j'ai trois étapes de cuisson. Là, c'est tellement plus simple. Oh putain! Ah là, il me fait crafter du rubber à gogo. Ok. Ils en ont assez, je crois. Peut-être, j'en sais rien. Ouais, on verra. Alors, plastique. Ok, s'il me prend tout, ça va pas le faire. Plastique, voilà. Là, j'ai tout le plastique. Pour faire ceci, il faut que je passe du plastique bar, donc je vais le accélérer la production de plastique. Voilà, ça fait du plastique bar. J'en ai 8, voilà. Je clear. Et il faut dire que que 2 plastiques bar est égal à un plastique chip. Donc 2 plastic bar, 2 plastic bar, voilà. Ça fait un rubber chip que tu mets ça dans le dans l'alloy. Par contre, ça va être lent. Ok, c'était pas ça que je voulais faire. Et il lui faut obligatoirement le putain de pattern de merde. Donc ça voudrait dire que je dois faire exprès un autre alloy smelter juste pour le plastic bar parce qu'il lui faut un pattern supplémentaire. Yeah. Il faut ce putain de pattern. Effectivement, il lui faut ce putain de pattern. Ok. Et dès qu'il craft, oui, il envoie directement de temps. Ouais, bah ça se tient. Voilà, j'ai 2 grinders. Ah, et puis les Endermen qui se téléportent. Bah oui, forcément, je lui... Pas mis le grinder à fond. T'arrêtes de me piquer un putain de bloc de merde! Connard! Attention, Norman à gogo! Bonjour! Entreprise de nettoyage! Du coup, je vais foutre un autre ici. Faudrait que je fasse passer mon...
On liquide en dessous. En dessous, sur le côté. Donc ça veut dire que je fasse ça. Bon, c'est très le mode YOLO pour poser les trucs, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Là. Voilà. Ok, si je le pose dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Est-ce qu'il faut le mettre en mode inversé là-bas? Ah, laissez-moi passer, putain. Non, les items, non. Non, bah non. C'est bon. Bon, ok. Alors là, normalement, avec cette mob essence... je vais le mettre autrement, le truc là. Parce que je suis sûr d'un truc, c'est qu'il prend l'essence qu'il y a là, alors qu'il pourrait y en avoir déjà là. Parce que je veux faire en sorte qu'il prenne la mob essence qui se trouve ici, dans tous les grinders, avant de me prendre celui qui a de le tank général. Ah, vous mourrez, hein, bande de salauds. Hein. Ah, c'est con. Hein. Voilà. Je vous enferme. Bande d'enflures. Ça voudrait dire que là j'ai 16 ici, ok, donc ça c'est bon. C'est en mode YOLO là, installé. 16. Ici on a encore un 16, encore un 16 et encore un 16. Ça veut dire que tout le surplus va là-dedans. C'est plutôt pas mal. Hop, je suis dénervé. Plus d'énergie, je devrais les mettre ailleurs, parce qu'au cas où si j'ai un autre problème. Donc, alors, je vous explique un petit peu le système. Avant de nous quitter sur de l'épisode, en fait, hein, c'est principalement ça. Les grinders butent l'Underman. L'Underman jette soit un trophée, soit une perle. Le trophée est stocké ici. L'Underperle, une fois qu'elle s'est fait grinder, l'a tué le mob, ça récupère de la mob essence. La mob essence permet de régénérer un autre Underman. De générer un Underman, le faire spawner avec un mob spawner qui émanerait l'autre factory. Par ailleurs, l'item, donc l'Underpearl, nous on pense principalement c'est l'Underpearl qui nous intéresse, va dans les items duck. Je lui dis que la sortie est obligatoire, donc forcément. Et j'ai oublié un truc. Ah, pas de signal, putain, il faudrait que je remette le. Pas de signal non plus. J'ai oublié deux choses importantes. Après, je vais tout prendre parce que j'en ai rien à foutre. Ah, t'es parti, toi. Allez, t'es peur, toi. Mais arrête de me piquer mon cube. Voilà, t'es porté ailleurs, connard. Donc, du coup, l'item va dans ce... chest là, qui permet de mémoire tampon, on va dire ça. La Galanderman, je t'ai pas regardé. Et aspiré par ces items duck. Deux circuits distincts. Un qui est principalement rempli en second, et l'autre en primaire. Lui se fait déjà remplir en primaire, obligatoirement. Ensuite lui, mais c'est seulement après que ça part dans les underchests. Et je devrais faire une chose, c'est que si lui est pas lui, donc lui est envoyé là. Ouais, vous m'avez compris quoi. C'est pas plus con que ça. Je sais pas que je vais agir. Ça, c'est les fluides. Les fluides, ça serait plus sur le côté. Donc, ça serait plus sur le côté, donc du coup, par en dessous. Que par là, parce que là je mets les principalement les items.
en clair, je sais pas si ça passe. En clair, tac, tac, tac. Je lui dis que c'est quand même une sortie obligatoire. Ici aussi, une sortie obligatoire. Et que ici, c'est un fluidoc. Mais je veux faire en sorte d'être. Ah, fuck. Voilà. Voilà. Parce que c'est lui et lui que je veux qu'il sorte. Voilà. Ça, c'est tout beau. C'est-à-dire que j'ai du fluide en continu qui sort. Voilà. Et puis voilà. Et puis ça fait le générateur. Et ça me permet de générer de l'énergie pour mon Tesseract. Qui est You d'ailleurs. Parlons de ça. Ouh. Putain, j'ai pas mis mon Tesseract. Bah, c'est con. Ah si, si, je suis con. C'est juste le Tesseract, il est là en fait. C'est l'énergie. Et il l'envoie et il reçoit de l'énergie en fait. C'est pour éviter ce genre de problème par la suite. Mob essence est en train de se faire. L'Underman, c'est bon. Donc ici, c'est correct. Puis j'ai quand même des Underman qui se fait pisser. C'est un peu chiant ça. Voilà. Moi, ça je sens rien, hein, les Underman qui me touchent. Hein. C'est de la génération d'armure et ça me fait de... Ah, ils m'ont détruit mon portail. Bande d'enculés. 1, 2, 3, 4. Putain. Ah, ils m'ont détruit le portail de toilette. Ah, ça m'énerve. Et puis ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, j'ai oublié un M-Cable. M-Cable. Je suis sûr qu'il veut pas me le faire parce qu'il me manque du quartz. Et c'est du quartz, pas de Greg Tech. Mais du quartz complètement différent de Applied, voilà. C'est pour ça qu'il a pas voulu en faire. Pouf! Rien à foutre. Du gros rubber. Est-ce que ça se fait toujours? Oui et non. Pourquoi il m'en demande toujours alors? Du rubber bar. Eh, j'ai quand même un problème. Ah bah, et puis il est l'heure au fait qu'on se laisse. J'ai complètement zappé, hein, parce que j'étais concentré. Bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, messieurs, je vais vous dire bonne soirée à tous, bonne journée, quelle heure vous le regardez, et puis on se retrouve à une prochaine vidéo sur FTT. Et ciao tout le monde.